Bonjour à vous toutes et à vous tous les amis et bienvenue sur Spider-Man 2 pour un nouvel épisode après un superbe épisode à la fonderie où on a découvert que notre ami Harry est un super-héros pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'à mon avis ça va pas durer, il va virer du mauvais côté. Mais bon, ça on verra dans le futur. Donc on va continuer l'aventure tranquillement, on va se rendre au point par là-bas. Donc là on a repris le contrôle de Miles, je vais changer sa petite tenue, il avait besoin d'être changé un peu. Donc on va retrouver, je crois que c'est notre maman, c'est ça qui, il me semble que c'est ce qu'il avait dit. Vous allez c'est parti. Et voilà qu'il nous propose de nouvelles. Alors on arrive là-dedans, bien pratique pour changer. Et on va changer. Ça va beaucoup aider la communauté. Merci pour votre soutien. D'accord. Au revoir. Je vais pas te déranger au bureau, maman. Salut, maman. Viens, assieds-toi. Je voulais prendre des nouvelles. Je m'inquiète pour toi. T'inquiète, ça va, tranquille. Ça va super. Todo bien? Yes, todo bien. Todo bien, t'inquiète pas. Je te jure. Ok. Bon, ça va pas. C'est de la folie en ce moment. Je sais plus où donner de la tête. Je suis overbooké. Entre la ville, mon essai pour la fac, et puis y a Pete, qui est occupé avec d'autres trucs. Ellie, il est toujours dans la nature. Ça t'inquiète pas, toi? Si, bien sûr, ça m'inquiète. Mais... je me suis engagée à agir pour cette communauté. Je dois mettre de côté les choses qui ne servent pas ce but et me concentrer sur mes objectifs plutôt que sur le passé. ¿Entiendes lo que te digo? Bien sûr. Ouais. Mais Lee, je peux pas le mettre de côté. Oh putain, c'est quoi ce vibreur? C'est un god, le truc. Angela, il va falloir que je vous rappelle plus tard. Enfermé dehors, mais vous avez une clé. Ah. Non, non, je comprends, c'est une urgence. Je vais passer quelques coups de fil. Ok. Non, je peux y aller. Tu ne viens pas de me dire que tu étais débordé? Tu veux pas que je... Si, mais... j'ai toujours du temps pour ma communauté. Je peux y aller rapidos. Ok, maman. Où je dois aller? Au musée culturel de Harlem, sur la 116e et Convent. J'ai eu mon amie Angela au téléphone, la conservatrice. Elle voulait offrir une visite privée à un donateur potentiel. Ok, du coup, allons au musée, les amis. Oups. Voyons le voir. Malaise. Angela a trouvé des objets pour une nouvelle expo musicale. Oh merde. Mais les subventions n'ont pas suivi. Et si le donateur ne couvre pas les dépenses, le musée risque de fermer. Je vais m'assurer qu'il rentre. Ok, on va essayer, hein. Je te promets rien, maman, mais... promis, j'essaye. Alors, le musée. En tant que je suis pas allé au musée, moi. Le musée. Vous savez que j'ai à cœur de préserver l'héritage musical de cette communauté. Mais vous voudriez que je fasse un don pour un musée qui n'a même pas de système de sécurité? Darren, j'entends vos craintes. Néanmoins, je vous assure que ce musée sera... Spider-Man? Eh oui. Ah, salut. Dieu merci. Le système refuse de nous laisser entrer et il ne réagit à aucune commande. Allons voir si je trouve d'où vient le problème. Je dois trouver le panneau de commande. Alors du coup, petit panneau de commande. Suivre le câblage. Ok. Alors le câblage, il est là-bas. Génial, c'est le panneau de commande. Oh merde, je suis allé trop bas. Les relais sont surchargés.
Je dois regarder dans les murs pour régler ça. On va réparer ça quand Jella puisse faire sa visite. Nice, petite araignée. La mignonne araignée a pris dans son filet. Il n'y a personne d'autre que nous. La vilaine souris. On a qu'à briser ce cadenas pour entrer. Ah, c'est pour ça que Jella est coincée dehors. Vaudrait mieux relancer le système si je veux entrer. J'ai vu dire. Et là, voilà. Je vais réparer ça vite fait. Ça y est. C'est réparé. Mais le système est toujours HS. Je dois trouver les autres boîtiers de relais. Ok, donc on suit tout le câblage. Ah mais en fait, c'est la mort des électriciens, son truc à lui. J'ai vérifié auprès de tous les refuges Fist. Personne n'a vu Merci. Est-ce qu'on peut grimper sur les murs? Je peux pas croire que je l'ai laissé filer alors que j'aurais pu... Eh, on peut pas grimper sur les murs. Ok. Tu vois? T'aurais pu quoi? M'assurer qu'il ne fasse plus de mal à personne. Tac. Bon, t'inquiète, je continue de chercher. Ah mais je peux voler comme ça? Ah. Ok, moi je savais pas ça, c'est nouveau pour moi. Continue de suivre le câblage. Il doit y avoir des trucs précieux là-dedans. On a affaire à des proies. Alors, est-ce que j'aurai le temps? Yes. Ouah, mais on est trop stylé en termes de gadgets, c'est incroyable. Super. Mais ça marche toujours. C'est mieux que le Chatterton, hein. Il doit y avoir d'autres relais. What? Les saxos et la batterie ont déjà été chargés. Qu'ils y font là, eux? Ouais, mais on a le temps. Et il y a encore plein de place dans les camions. Je dois contourner ces types sans me faire repérer. Pourquoi pas une diversion en do majeur? Tu n'as rien vu. Allez, garde ton sang-froid. Ne fais pas un de tes vieux coups foireux. Tu peux y arriver. J'envoie une autre au-dessus de ce type. What? Attends. J'aille dans le trou. Ah merde, ok. Comment je peux faire Ah non, faut que je tire la chasse. Ok, d'accord. C'est qui? Hey Doug, j'espère que c'est toi. On va voir s'il y a quelqu'un dans les water. Pendant que moi je passe par là. Maes, nice. Ok, alors je sais pas comment j'ai fait les amis. C'était ça que je voulais faire, mais je pensais pas réussir à le faire comme ça. Mais ok, c'est passé. Mon truc, c'est la musique de geek. Les ordi, c'est mes instruments. La musique, ça commence par un être humain, son instrument et son âme. Quand tu mixes et quand tu samples, tu dois tendre l'oreille et capturer cette âme. Okay, tu me donnes des conseils de musique. Tu sais que plus personne parle comme ça. Tu veux dire comme une grande sage? Merde, fuck. Putain, comment je vais remonter maintenant? Ok, si, je peux remonter comme ça. Alors le boîtier, ok, il est par là-bas. C'est bon, j'ai retrouvé le boîtier. Alors du coup, ouais, petite défaillance ici. Ok, le signal est plus fort maintenant. Il doit me rester un dernier relais à réactiver. Mais qui a cassé tous ces relais? Je voudrais bien le savoir. Oh, il y a du monde ici. C'est pas vrai. Je vais devoir aller à l'autre bout de la salle. Alors. Il reste du temps. Deux, trois minutes. Qui joue de la musique? Un musicien, du con. Il est con, lui. Ah, est-ce que là, potentiellement, il me voit ou pas?
Ah, il peut peut-être me détecter ici. Hein. Ah, merde. Comment je vais passer? Ah, j'ai fait le con, les amis. Il fallait que j'aille au middle. Merde. J'ai mal joué. Faut que j'aille au middle. Non, reste sur tes instruments, toi. Ouais, reste là. Qui a fait ça? Ah, va là-bas, toi. Toi. Tu vas là-bas. Ah, merci. Maintenant, je peux aller faire ma petite opération. Je dois rétablir ce dernier relais, puis retourner à la baie de chargement. Je vais m'assurer que ces tics ne te concernent plus. Repli ! On se tire ! Bien joué, Spider-Bot. Yes. À mon tour, maintenant. Bien joué. Spider-Man, ça y est, la porte est ouverte. Mais apparemment, plusieurs objets ont disparu. Tout est revenu. Oh oui, t'inquiète, j'ai bien compris. Hein. Vite, on doit se barrer de là. J'ai bien compris allez, qu'il allez. Allait manquer quelque chose quand même. J'hésite à déménager à Philly. Ça fait beaucoup de monde d'un coup, non? Tu crois que je peux les faire tomber dessus ou pas? Tiens, on va tenter, les amis. Allez, let's go. Spider-Man! Ouvrez-les! Hey, enlève-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas assez. Ton heure a sonné, l'araignée! Oh, ma terre! On va faire Spider-Man! Le boss a dit que ce serait une mission pépère, et puis on se retrouve avec Spider-Man! On s'en tape! Fume-le! Je vais faire ce temps! Dites à votre chef que mon quartier se laissera pas faire. Allez, c'est parti. Bastonnade. Putain, il m'a mis un coup de... Oh merde, putain. Rapido, rapido, rapido. Pourquoi ils se barrent alors que c'est des mecs qui sont... Faut pas qu'ils sortent, on se retrouve au point de rendez-vous okay, dans une heure. Pas aujourd'hui. Ah désolé les gars. La méga charge bioélectrique est une frappe puissante, vous pouvez la déclencher lorsque votre barre de méga décharge bioélectrique est pleine. Ok. Faut que j'arrête ces camions. Course poursuite. Contre le camion. Laissez tomber, vous vous en tirerez pas. Ah non, non les gars. Je vous poursuivrai. Jusqu'au bout de la nuit s'il le faut. Comment ça se fait qu'ils vont aussi vite eux? Lance-lui un truc, n'importe quoi! Va jouer avec ça! Alors vous préférez...
préféré la jouer hardcore. Ça me va très bien. Ok, je suis censé faire quoi? Juste esquiver? Ok, d'accord. Esquiver jusqu'au moment où t'es... Salut les gars, je prends le contrôle du camion. Petit tambour. Venky Dremer. Oh, stylé. Je me fais un mini sac à dos. On a retrouvé le contenu d'un seul camion. Quelle pagaille. Désolé, Angela. Ça sera sans moi. Non. Je crois que nous venons de perdre notre plus gros donateur. Il y a toujours le gala caritatif, non? Si on retrouve pas ce deuxième camion, il y aura pas d'expo. Et sans expo, pas de gala. Et sans gala... Le musée devra fermer. Ça n'arrivera pas. Je vous le promets. Tenez. J'ai sauvé un petit tambourin. C'était tambour, celui je sais pas comment de vous appelez Clyde ça, mais... Stubblefield. Oh, qu'on surnommait Funky Drummer. Vous avez une idée du nombre de fois où il a été samplé? C'était un musicien très respecté, à mi-chemin entre funk et hip-hop. Merci. Et vous en faites pas. Je vais trouver le reste des pièces. Bah, je promets rien, mais on peut essayer. Faut que je fasse le point avec Pete. Il n'y a pas à dire, ils ont quand même assuré la petite patte graphique. C'est très propre. Ok, on repasse sur Pete alors du coup. Ça a terminé toutes les missions. Allô, t'as une minute ? Musée de la culture pour débloquer une tenue personnalisée. C'est Harry qui m'appelle. Ok, attends, réponde. Faut que je réponde à Harry deux secondes. Oh, ok, pas de soucis. A plus. Ouais, Pete, je suis à l'OMF. Aucun signe du docteur Connors, mais je t'avoue qu'un peu d'aide serait pas de trop. Je suis en route. T'as eu des nouvelles d'MJ? T'as dit qu'elle devait passer chez lui, non? Pas encore. Elle a dit qu'elle m'appellerait quand elle y serait. Espérons qu'il ait juste la grippe? Ouais, faut espérer. Ok, faut aller à l'EMF. Je vais voir dans nos bureaux. Viens dès que tu peux. Ok, bah j'arrive. Hein. Alors, l'EMF... Ok, on peut pas rentrer par les portes, nous, c'est pas possible. On est obligé de rentrer par les toits à chaque fois. On n'a pas appris à ouvrir les portes. Des nouvelles de Connors? Pas pour l'instant. C'est MJ. Mauvaise nouvelle. La maison de Connors est envahie de chasseurs et il n'y a aucune trace du docteur. Ah merde. Mais bonne nouvelle. Je crois savoir où le trouver. Sur l'autre rive du fleuve. C'est la merde. Peut-être vers... Osman, nous attend. Ah mais elle est dans le camion, mais qui s'est le fout là-dedans? Il n'y a plus de portable. Ok, donc ils ont enlevé le docteur parce qu'à mon avis, Craven a dû savoir que il a des facultés assez importantes. Il voudrait s'en servir pour lui. Oh, jolie statue. Prends le matos. Ah, merde. Faut que tu tires, MJ. Tire, tire, tire. Ah non, c'est un taser. L'entraînement avec sable m'aura servi plus tôt que prévu. Un zoo?
Connors doit pas être bien loin. Il faut que je prévienne Pete. Cette fenêtre a l'air ouverte. Ok. Du coup, on va jouer avec MJ. Oh, c'est cool de pouvoir jouer avec MJ. Il est où, ce van? Oh, les bruits que tu fais avec tes talons, meuf. Je sais pas comment ils font pour pas t'entendre. C'est pas très discret, tout ça. On dirait des données génomiques. Ils essaient de réactiver ces gènes reptiliens. Intéressant. Donc du coup, c'est un reptile? Mais ce serait quoi comme reptile, lui? Je connais pas Kraven. Kraven, enfin, le nom me dit quelque chose, mais je vois pas. Oh, ils étudient le docteur Connors. Ah, si, attends, ça me parle, lui. Oh mon Dieu, ils veulent le chasser aussi. Attends, le docteur Connors, c'est quoi? C'est un lézard? What? Putain, et je suis perdu dans Spider-Man, les amis, ça fait une éternité que j'ai pas regardé. Oh. Téléphone? C'est ma chance. C'est Connors. Tenez bon. Harry, c'est MJ. Je suis dans un zoo abandonné à Jersey. C'est... Plus de batterie. Pitié. Non. On l'a trouvé. Pitié, vous comprenez pas. Il y a même un code sur la porte. Il faut quoi sur la cage. Ok, on va essayer de faire quelque chose. Il y a un code pour entrer dans la cage. Il y a le code. Et il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Il faut que je les trouve. Ok, ça nous fait un sacré job, ça. Alors, trouver les clés... trouver les clés et trouver le code. A few moments later. Allez, t'as bien caché ton mot de passe quelque part. Bah, elle est là, hein. Tu estimes qu'à rien. Il utilisait Mangouste comme nom de code. Bah c'est ça. Mangouste. Mangouste. Celui qui se cache derrière ce nom connaît peut-être le code. Je dois juste lui faire croire que je suis Vika. Pour ça. Allez MJ, ton sim carien est encore potable. T'as juste à répondre. Allez vas-y. Dites Vika. Vika. Mangouznak. Vika. Betek Vaj. Garin elegem vana hiva shaitpol. Hol vana ka kezulek ez kodok. O kodok. Sorozata az informacios tablan van tudhatnád? Te pedig azt tudhatnád. Milyen hangon beszélhetsz velem. Ne hív többet, mert a fejedbe kerülhet. Oh, la pression qu'il lui a mis. C'était pas si mal. Ok, je ferais mieux d'y aller avant qu'il vienne vérifier. Ah, elle dit qu'il y avait un tableau. Le voilà. Oh mon Dieu. Les codes de l'enclos. Attends, Connor. Fichons le camp d'ici. 0451, c'est ça? Il est tout seul, lui? Je préfère les rats aux insectes, sans hésiter. Attendez. Vous devriez être... Tu connais ce monstre? Merde. Il s'appelle Kurt Connors. C'est un homme bien. Je suis dans la merde. Il n'y a pas d'homme bien. Seulement de bonnes proies. Non !
Oh merde. Non, pitié, pitié. T'as comment il plante ça, lui? Pardon pour le retard. Allez, let's go, let's fight. Oh merde, ils vont tout brûler. Ça va, vous allez bien? Maintenant, oui. Il y a un labo dans l'atrium. Il y a peut-être un échantillon de sérum. Je sais pas beaucoup de temps. On va vous en faire gagner. Ok, allez, maintenant, on fait ce qu'on sait faire de mieux. En haut de la colline, le bâtiment en vert. Pitié, faites vite. On vous prend un passage. Restez à couvert. Ne vous inquiétez pas, Doc. On vous conduit au labo. Vous allez pas vous transformer. Mais bon, j'ai la fille en plus. Attention. C'est nouveau, ça, non? Dégagez. Maintenant le lézard. Ouais, on dirait qu'ils se tapent le sale boulot de leur chef. J'espère qu'ils touchent une prime de risque. Tu fais une blague au pire moment. Ça prend vite. Ok, faut que je fasse attention à leur putain de missile de mort. Le labo est juste là-bas. MJ, avancez, mais restez baissé. Compris. Il y a des chasseurs qui nous bloquent la route. Et ils ont même des animaux de compagnie. Arrêtez. Il a pas l'air bien. On est presque. Respirez. Ok. Oh là là là. Ah mais c'est chiant leur putain de... La voie est libre. Allez. Missile. Voilà de la peau. Ok. On doit vite se débarrasser d'eux. Allez, vite. Abandonne. Vous n'allez pas cacher la nuit. Quoi? Ça lui fait pas plaisir. T'as vu? Les gens savent plus apprécier les rebondissements. Si votre chef est si balade que ça, pourquoi il viendrait nous affronter? Il a bien mieux à faire que ça. Mais pas vous. Je crois qu'ils ont pas une très bonne image d'eux-mêmes. MJ. Ok, on va se débarrasser des petits on ne laissera pas vous faire drones de merde. Spider-Man. Merde. Oh putain, c'est chaud, hein, sérieux. Je peux pas. Parlez-moi de ça. Regardez-moi, allez. Allez-y, on vous trouve. Oh, c'est chaud, les combats. Je dois pouvoir fabriquer un antidote avec ça. Oh, mais lui, il est cheaté, le mec. Il vise trop bien. Ah non, elle va se transformer. Oh merde. Non.
t'es vraiment un mieux que ça. Non. Non, Spidey. Là. Je crois pas. Il a touché peut-être un endroit. C'est difficile de faire une cicatrice. Comme ça, c'est pas possible. Accroche-toi, accroche-toi. Pas sans se battre. Non mais vraiment? Oh non, je suis trop déçu. Non, s'il te plaît, sauve-le, fais quelque chose. Je lui donne mon pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis sacrifié. Je sais pas. Enfin, Harry s'est sacrifié pour me sauver. MJ, sors-le d'ici. Je m'occupe de ça. Il est pas mort. Ton chef devrait mieux viser. Quelqu'un comme toi, ce sera bonne recherche. C'est bien dommage pour lui. Oh, mais comment on déchire tout avec ça? Ah, je suis dans la violence ultime. La suite est coupée. C'est la violence ultime, là.
Alors là. MJ, j'arrive. Ça, c'était crazy, oui. Qu'est-ce que tu es? Suis le lézard.